Sorti 28 octobre pour arriver 1er novembre 2021, deuxième édition Festival Théâtre Créole là a tamé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup Théâtre Créole là dans Montréal. Équipe là qu'on bloque ce Covid, mais n'a pris 20 ans. Suivez-nous sur page Festival Théâtre Créole. Invité à donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie Théâtre Créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Bon, avant ça, je profite de saluer tout le monde et me connaît. Enregistrement ça a fait pour Montréal, pour paquet d'artistes, hommes de théâtre en particulier, cap travail pour promotion langue créole et pour promotion culture créole. Je salue et me salue tout le monde qui a regardé nous là parce que qu'on y a la modernité. Bah, au virtuel, mais tout pour l'abgado, tout pour l'abtendo. Bon, et d'abord, il faut commencer par dire que théâtre en général, quelle que soit la société, c'est un instrument culturel qui facilite la communication et en même temps tout, formation, information, et qui permet aux sociétés de garder tête ligne dans leur propre miroir. Pour voir l'image de ce théâtre-là. Et sur ce plan, le fait que mon abgardé acteur cap acting, cap agit, eh bien, consommation immédiate et réflexion auteur, rencontrer réflexion spectateur. Donc, théâtre créole là et prend un pile développement même si gagne on dit une crise dans le pays d'Haïti qui affectait toute production haïtienne que ce soit en économie que ce soit en politique que ce soit en sociologie que ce soit en éducation que ce soit au niveau de la famille que ce soit au niveau de la religion nous avons une crise que peut traverser, même si planète là en crise de Gounia, oui, et pas seulement Covid là, non. Toute planète là en crise. Mais comme nous-mêmes, nous avons une crise qui gagne deux siècles depuis la malmené, nous. Donc, il frappait ces temps derniers, il frappait production peinture, il frappait production poésie, il frappait production romanesque, il frappait production littérature, donc il frappait production théâtre là tout, qui fait partie de littérature. Et c'est un instrument, moi, quoi que on nomme quoi, Raph Civil, en pilote, mon encore. Je connais des de conférenciers, quoi Rassoul Labuchin, quoi mon Eugène, qui travaille en pile pour promotion de la langue créole là. Donc, théâtre créole là, important, parce que théâtre là permet la langue créole là. Prend jarrette, prend mam pour le capidjam. Bon, mon courant de Festi Théâtre Créole qui prend le manigancé semaine prochaine, parce que je me communique avec Raph Civil. Moi, je crois que je fais un gros travail dans le diaspora. Bon, là, je fais un milieu haïtien qui vit à l'étranger, et en particulier au Canada, à Montréal. Donc, nous avons fait un gros travail l'année passée. Il y a son simple malentendu qui fait que je suis présent. Mais l'année ça, tout va venir Covid. Le cœur n'est pas venu. Donc, les gars, les filles, nous avons que l'argent monte.
Donc voilà, Kaban est une bonne chance pour participer à une émission qui fait chaque année. Et Rafa fait un gros travail, donc m'espérer que c'est pour un succès. Et je crois que mon temps qui consacre à l'Iban, si moi, bon, c'est du 28 octobre, je crois, jusqu'au 30 ou 31, je vais changer de date là bien. Mais je souhaitais que c'est un grand succès et me fais monsieur confiance, me fais comédien confiance tout. D'autant plus que, par contre, si je me trompe, je crois qu'il y a une grosse projection, soit partielle, soit totale, de Pelle en tête. Et Pelle en tête, c'était une pièce pour nous-mêmes qui jeunes. C'est une pièce que j'ai écrite dans les années 76-77 sous Duvalier. Donc, je souhaite vous avoir un pile courage, un pile compétence, un pile talent, un pile génie, pourquoi pas, pour nous exprimer la réalité non seulement humaine, mais en particulier la réalité haïtienne. Et que le théâtre là, comme je dis encore, son instrument capital pour faire idée circuler, pour que, surtout dans la période de crise dont il y a, pour l'homme vienne croire dans la spiritualité, pour croire dans la solidarité, pour croire dans la fraternité, pour croire dans la liberté et pour croire dans les grandes valeurs qui fait l'homme, à savoir le vrai, c'est-à-dire la vérité, le bien et le beau. Merci, merci, merci en pile. Bon journée internationale langue à Kilti Créole. Non, pam, c'est Nerland Gaëtan. Moi, c'est directrice Festi Théâtre Créole. Non, pam, ak non, toute équipe moyen. Et l'aime parler de équipe. Gen en pile, moun. Anissa kap travaille avec nous pour nous capables là. Nous excusez nous parce que nous t'ai annoncé. Ça fait longtemps que nous t'as dû en ligne, mais nous connaît. C'est adaptation à Nessa, c'est mot ça qui vient dans bouche tout le monde. Moi remercie nous pour être nous présents avec KTK. Yon fois encore pour deuxième édition Festi Théâtre Créole. Année passée, c'est dans salle nous t'ai réuni, nous t'ai qu'on parler, nous t'ai croisé, nous t'ai qu'on saluer, nous t'ai qu'on bail câlin. Année ça, c'est de loin, m'a voyé un bel petit sourire, un bon petit remerciement pour chaque grand monde qui branché avec nous et monde qui pral regarder live là pour yo capable bien content ouais monde qui pral content ouais. Moi je voulais dire nous merci jodian pour festival là qui a lancé jodian. Li difficile pour nous faire un festival théâtre en ligne et c'est ça qui fait premier ça m'a demandé nous année ça c'est compréhension en pile patience avec nous parce que c'est technicien scène nous c'est sous scène c'est sous planche nous habitué à évoluer. C'est pas directement derrière caméra nous qu'on chita. Ça nous qu'on fait, nous qu'on fait le bien, mais année ça n'a pas prendre faire un autre bagaille et nous connaît l'homme on n'a pas prendre, il fait erreur, il tomber, il lever. M'a promesse nous déjà pour compréhension nous, mais m'a dit nous, jodi an c'est premier jour festival là. Nous gain rendez-vous jodi an avec yon causerie avec Rasoul Labichin et puis Mano et Jeanne. N'a gagné Mano de CPAM qui ensemble avec nous qui pral animer ensemble avec nous, mais avant que moi commencer tout ça, moi d'aimer remercier tout monde qui ban nous bourade pour année ça a été réalisé, même si c'est à la dernière minute ils ont embarqué ensemble avec nous, moi d'aimer dire merci. Jodi an nous gagnons deux représentants élus citoyens, yo deux monde qui kon marcher, travaille avec citoyens, deux monde qui comprennent ça citoyen yo a vivre depuis mois de mars là qui ensemble avec nous. Jodi an nous nan maison jeune qui nan rivière des prairies. Espace lan symbolique pour nous pas gagné public devant nous, mais espace lan symbolique parce que nous ensemble avec
jeunes. Nous avons dit qu'ils ne sont pas là, mais c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est le caillou. Nous avons aujourd'hui un échange intergénérationnel qui a fait. Nous avons des bibliothèques, des mondes qui sont importants pour nous dans la communauté, des mondes que nous avons le plus avant de quitter nous. Plus nous avons un espace côté jeunes qui t'aiment apprendre à fréquenter. C'est ça qu'a t'aiment, que nous gagnons un petit dialogue pour nous parler entre nous, pour nous parler entre plusieurs générations, pour yon bay l'autre, yon apprendre l'autre ça que yon connaît. Nous dans Rivière des Prairies, et c'est peut-être ça jodi on dit li symbolique pour nous parce que gagnons pile monde qui fait partie communauté créole là, qui habitait dans quartier ça. C'est peut-être ça jodi on nous gagnons honneur pour nous recevoir. En tout cas, m'ka plus dit que Elio ça a fait nous honneur pour le recevoir nous la Kaili et n'a pour remercier et n'a pour remercier chaque grain élu qui responsable moun qui vivent citoyen qui travaille avec citoyen qui dans communauté créole là qui te dit oui que ce soit pour Saint-Michel que ce soit pour Rivière des Prairies que ce soit pour Montréal Nord à Antique Cartierville tout côté communauté créole là tabli et lui yo te campé yo te dit nous oui jodi a yo tout pas présent pour yo parler avec nous mais gagne c'est active vidéo y a parlé avec nous gagne c'est dit nous bravo tant qu'on mérite Montréal Nord Christine Black qui voyait dit nous chapeau bas continuer nous dit merci pour ça et nous gagne l'autre élu tant qu'ou madame Tulier qui était déjà à encourager nous dit merci à madame Tulier mais nous gagne deux élus qui là qui prend la parole ensemble avec nous et après n'a gagne l'autre élu tout qui ban nous un petit mot. M'a passé la parole à madame Nathalie Pierre-Antoine qui s'est élue dans Rivière des Prairies Pointe-aux-Trembles côté nous symboliquement campé jodi an, pendant que nous-mêmes nous toutes n'a gardé nous en ligne. Bonjour, bonjour à tout le monde qui a regardé nous là. Salutations à collègue moi qui l'a, Josué Corville. Bien sûr, à madame Nerland Gaétan Civil, qui est responsable de bel festival ça, festival théâtre créole, avec toute équipe li. Merci beaucoup, merci d'avoir créé ce festival, c'est deuxième édition là. C'est un festival qui a comme objectif pour sensibiliser, pour mettre de l'avant et artistes créoles et c'est une belle initiative parce que nous gagnons pile grand talent dans communauté là dans toute communauté créole là et c'est important que gagne tribune qui capable permettre yo de rayonner. Alors bravo, longue vie à ce festival et bien sûr, m'tarémais saluer deux grandes personnes que n'a bien chance pour nous capables tendre à l'heure dont monsieur Rassoul Labichan et monsieur Emmanuel Eugène, qui bien sûr et salutations aussi à l'animateur Pierre Emmanuel aussi qui va avoir la chance de s'entretenir avec ces deux grandes célébrités dans notre communauté. Ce sont des artistes qu'on n'a pas besoin de décrire. Nous connaissons comment ils ont quitté leur marque qui marque l'histoire de la culture haïtienne. Donc merci en pile, c'est un honneur pour moi-même pour me là et pour dis-nous bienvenue à Rivière des Prairies Pointe-aux-Trembles. Il y a un pile monde de la communauté notamment haïtienne créole qui habitait ici et me connaît que yo poil en pile profiter de ça nous poil dit et puis bonne continuation dans tout ça n'a fait et particulièrement Jodiam d'arrêmer saluer aussi Maison des jeunes là qui permettent nous qui recevoir nous là dont notamment madame Constance Vincent qui directrice là. Et c'est très symbolique, effectivement, madame Civil, puisque on dit souvent, si jeunesse savait, eh ben voilà. Aujourd'hui, jeunesse gon opportunité pour yo connaître, parce que yo poil tendé sa deux grandes personnes, ça yo fait, dit. Donc, m'espérer que jeune yo cap coûter nous,
nous pour aller tendre ça y a dit et ça inspirer nous pour aussi nous-mêmes nous prendre place nous et que nous marquer la culture aussi créole. Alors voilà, je vous remercie énormément au nom du conseil d'arrondissement d'avoir choisi Rivière des Prairies. N'importe qui l'a nous besoin, vous êtes la bienvenue et puis je vous souhaite un bon festival, grand pile belle bagaille à la programmation jusqu'au 1er novembre. Donc pas oublier, brancher, garder, partager et puis bonne continuation et merci encore Madame Civil de votre belle initiative. Merci à tout le monde Rivière des Prairies qui a accueilli Festi Théâtre Créole. L'année passée, nous t'ai fait dans Saint-Joseph, son façon pour nous dire, nous pas limiter. Sous île Montréal là nous voulait que c'est tout côté communauté créole ou bien monde qui appréciait culture créole là à travail monde ça là côté monde ça yé nous voulait porter le bayo et d'ailleurs jodi an ça nous fait ben nous porter l'en ligne nous faire un changement n'a accueilli élu Saint-Michel c'est ça veut dire que c'est tout côté c'est vraiment aller de partout sous île là n'a pas accueilli élu de Saint-Michel là qui c'est monsieur Josué Corville. Merci, Madame Civil. Donc, Madame Pierre-Antoine, donc Nathalie, merci de nous recevoir chez toi. Et nous voulons saluer donc les notables qui sont là avec nous, Monsieur Labuchin, Monsieur Eugène et également Pierre-Emmanuel. Au nom de tout citoyen créole qui est dans Saint-Michel, nous saluons tout le monde. Depuis 1983, le 28 octobre est consacré à la célébration de la langue et de la culture créole. Plus de 13 millions de personnes ont en partage belle langue ça. Cette langue est plurielle et plusieurs de ces langues-là donc ont leurs dérivés, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Mais plus belle langue-là, c'est créole pan. C'est une langue imagée. Vivant, langue de résistance, le créole a joué un rôle prépondérant dans la libération des esclaves. Elle est le summum de tous les métissages. Elle lui permet de nous revendiquer, affirmer nous, rappeler que plus jamais nous n'accepterons les chaînes de l'esclavage, de l'exclusion et de la non-reconnaissance de nos droits. Dans la société actuelle, là, il y a un pile bagaille qui préoccupait nous. La mort de George Floyd, on paquette l'autre question. La lutte est immense, mais les perspectives sont bonnes. Nous voici au seuil de la deuxième édition de Festi Théâtre Créole. Je voulais féliciter Mme Nerland, à toute équipe Lee, qui travaille fort pour ça. Nous savons tous que le théâtre permet, a priori, le divertissement du spectateur. Il casse la routine et nous libère du stress, du travail ou de la vie en général. En pleine pandémie, la présence de ce festival s'avère être extraordinaire et important. Nous sommes capables de dire que festival-là fait partie de bagailles qui est essentiel pour qu'un équilibre mounio, pour mounio pas fou. Dans le confort de votre foyer, ce festival nous permet d'assister à moult pièces. Le genre théâtral compose une grande partie de la littérature, et ce depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Hitchcock s'est exclamé, le théâtre, c'est la vie. Merci Théâtre Créole pour la vie, ça a couvoté ben nous, dans le cadre festival ça. Merci en pile à tout le monde qui a encouragé langue créole là, et nous inviter à participer en masse à toute célébration. Ça fait nous content, nous garder nous ouais dans plusieurs médias aujourd'hui, Radio-Canada, etc. Il a parlé de cette journée internationale de la langue créole. Eh bien, nous disons tout le monde bonne journée et pas oublier. Rile l'autre monde, dio festival l'altan mais jodia jusqu'à 1er novembre et gan pile belle bagaille, gan pile belle causée. Au nom de nos citoyens de Saint-Michel, donc je vous remercie Madame Civil et je dis à tout le monde et à la communauté québécoise, bonne journée internationale de la langue et de la culture créole. Merci. Merci en pile à José Corville qui est représentant et tout citoyen Saint-Michel. Nous gagnons un dernier élu qui lui-même n'est pas qu'à présent, c'est Franz Benjamin. Il n'est pas qu'à camper là avec nous pour lui t'a pas encourager nous, mais
Li tient à ce que li voye un petit message. Donc Franz Benjamin, te tient à ce que li voye un petit message pour tout monde qui a regardé festival là. Donc nous pral passer petit message ça parce que de plus en plus c'est vidéo et tout. Donc nous pral passer message Franz Benjamin qui pral dit nous mais qui ça li penser de festival là et qui pral adresser là tout citoyen, c'est député dans circonscription Vio dans provincial. Franz Benjamin. Festival Théâtre Créole dans Montréal. Il y a l'autre édition qui vient joindre nous en ligne à l'ESA à cause de ça nous connaît. C'est le moment pour me saluer tout organisateur festival ça qui a réalisé un moment qui n'est pas facile pour personne monde. Nous connaît contexte très difficile. Et c'est pour ça que moi-même comme député de Vio, c'est un plaisir pour moi pour continuer à appuyer l'organisation festival ça. Vous aurez la chance, vous aurez l'occasion de venir découvrir des comédiennes, des comédiens, des poètes et aussi des metteurs en scène extraordinaires dans le cadre de cette nouvelle édition du Festival Théâtre Créole de Montréal. Et aussi, évidemment, ce festival se tient, rappelons-le, dans le cadre du mois du Créole à Montréal. Alors, c'est le moment pour moi ou l'occasion d'inviter les créolophones et les créolophiles, c'est-à-dire celles et ceux qui ont le créole en partage, c'est-à-dire que vous soyez créolophone de naissance, créolophile par amitié ou créolophone d'adoption, c'est votre festival, c'est votre mois du créole à Montréal. Je vous souhaite un excellent festival du théâtre créole de Montréal. Jamais. Merci à Franz Benjamin parce que il était prend temps li pour lui encourager nous année passée, il était fait mention pendant l'Assemblée nationale là de démarche nous pour nous capable mettre théâtre diversité à sous scène en avant de la scène pour moun yo ka wè que oui, nous gen droit pas paraître, mais c'est pas parce que nous pas gen talent qui fait nous pas paraître. Nous avons du talent, les gens sont là, les gens ont juste besoin d'avoir leur place et c'est le but du Festi Théâtre Créole, c'est de leur laisser la place. Cette année, notre porte-parole, c'est une femme qui est connue, qui est passée de présentation, elle est à la fois actrice, elle est comédienne, elle est aussi une... Elle continue de jouer, elle continue aussi de défendre la culture, la diversité. Elle est aussi une femme qui défend les droits humains et c'est Yardley Cavada. Elle a dit oui tout de suite quand on l'a abordée pour cette édition parce que pour elle, c'est important. Quand on parle d'échange entre les communautés, quand on parle de se parler, de s'asseoir ensemble, d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir chacun sa place, pour Yardley, c'est quelque chose d'important. Alors, je vous invite à écouter le mot de notre porte-parole pour cette deuxième édition, Yardley Cavada. Société, bonjour, bonsoir. D'ailleurs, mes saluts tout officiels qu'il a à tout le monde qui l'a dans sa salle avec nous et tout le monde qui a suivi nous. Alors, moi, c'est porte-parole. Festité à Créole, Yardley Cavada, qui a dit nous un très bon festival. Malheureusement, pas de cas là avec nous dans la journée lancement, même avec nous le tout cœur. Et m'daremè que nous continuons à suivre nous du 28 octobre au 1er novembre. Nous connaissons nos comptes GoFundMe et pour nous encourager tout artiste et tout le monde qui programme bel festival ça. Donc nous allons sur page Facebook Compagnie Théâtre Créole ou bien nous allons sur www.compagnietheatrecreole.com et nous allons Interac, nous allons PayPal, nous allons toute information si nous voulons continuer à encourager artiste et monde qui est en direction pour continuer ben nous bel festival ça. Alors bon festival, c'était Yardley Cavada. Merci à Yardley Cavada pour être l'été printemps pour lui pendant toute période là en vent festival là pour lui parler à moun auprès de lui-même yo pour lui capable encourager yo pour lui dire yo mes festival là. Juste avant nous commencer avec causerien jodia moi t'a remé dis nous que festival ça qu'a fait là jodian c'est pas
c'est pas parce que nous t'a remé fait dans contexte ça, mais en même temps la fête dans contexte qui plus difficile pour acteurs yo pas sous scène, nous pas gain billet que n'a vendre année ça, nous pas gagner l'argent que nous dit OK, nous gain un budget yon côté et puis l'autre moun n'a gain subvention. Donc nous t'a remé annoncer nous t'a remé dit nous bien font petit rappel pour nous que du 28 octobre au 1er novembre tout ça nous pral garder yo en ligne yo gratis. Mais ça qui pou faire yo là, ça qui pou faire ou même ou ka wè yo, ça qui pou faire yo vin la kayou an, malheureusement, yo pa gratis. Donc n'a invité ou n'a encouragé ou nan façon pa ou, nan jan ou même ou konsevwal, nan quantité que ou même ou estimé que travail an mérité, n'a encouragé ou pou faire un don. Ou capable aller sous application GoFundMe qui c'est un site qui permet moun collecter l'argent pour yon cause bien particulier. Ou ka aller sous GoFundMe et ou ap chèche Festité Théâtre Créole ou ap wè nou te lancé yon levée de fonds pour nous capable aider festival là survivre pour deuxième édition là. Carrément, oui, c'est le mot survivre pour deuxième édition hein. Parce que période Covid là t'est venu faire que nous pas qu'à faire promotion j'en nous t'ai fait le première année hein, nous pas qu'à faire événement j'en nous t'ai fait, nous pas qu'à offrir espace promotionnel yo. Donc ça veut dire nous obligé chercher l'autre moyen pour nous capable permettre festival d'en vivre ou capable directement si vous vivez Canada ou bien États-Unis ou bien en France ou en Europe plutôt, ou capable faire yon PayPal ou juste aller sous PayPal ou voyez ben nous yon PayPal à partir de compagnie théâtre créole en français sans accent à gmail.com ou bien ou aller faire à commercial compagnie en minuscule KTK en majuscule ou capable joindre nous sous PayPal. Sinon nous gagnons Interact nous 514 962 1513 ou sinon compagnie théâtre créole en français sans accent à gmail.com. Moi remercie au déjà pour don pendant tout festival là jusqu'au 1er novembre pour faire nous don yo pour encourager nous, encourager artistes cap sous planche, encourager moun cap travail derrière festival ça cap durer 5 jours qui commence jodi hein, et n'a poursuivre programmation nous avec yon ti causé nous pral faire avec des bibliothèques. Moi même c'est comme ça moi même relé yo là et c'est grandette yo passé étape yo konn ki jan pou yo jambé en pile bagaille ki rive nous yo tombé yo levé. Moi même remen di moun sa yo c'est exemple, c'est modèle, c'est yo ki ka di nous prend à gauche pas prend à droite parce que ça peut nous aider, parce que nous sommes tous des humains et que nous pouvons apprendre des expériences des autres. Donc faisons-le, apprenons des expériences des autres. La causerie avec Rasoul Labichin et Mano Eugène. Merci à Pierre-Emmanuel d'être là avec nous. Merci Nerland, merci tout le monde d'être que nous là pour deuxième édition festival Festi Théâtre Créole. C'est avec un pile plaisir aujourd'hui nous pral échanger tant que Nerland dit avec deux gros garçons qui yo chaque dans domaine pa yo marqué littérature théâtre, poésie. Yo passé de présentation, même quoi, que l'important pour nous commencer par dire qui est sur eux. On a commencé avec Sila yo considéré comme moun qui t'est démarré avec cinéma haïtien. En général, y aurait les monsieur Yon Jean, mais vrai nom monsieur c'est Joseph Yves Médard. Y aurait les monsieur Rasoul Labuchin, c'est non ça qu'en général tout le monde connaît. Rasoul fait le 30 mars 1938 dans Pétionville. Très vite, monsieur pral tourné un militant syndical et en 1959, monsieur fondé mouvement théâtre ouvrier en dans intersyndical dans le pays d'Haïti, qui était dirigé à l'époque par un syndicaliste aussi qui était très connu, Ulrich Joly. Mouvement théâtre ouvrier, chaque samedi, t'es qu'on réalisait pendant un an des événements, des rencontres, mais qui c'était tout des prétextes pour faire politique. François Duvalier, le SAA, pral décidé d'intervenir et puis fermer activité ça qui était qu'on fait chaque samedi. Nous te rejoignons Rasoul tout dans parti
entente populaire qui s'est parti que Jacques Stéphane Alexis t'est créé, t'es joué secrétaire général li, et Rassoul Labuche t'a pral par la suite continuer mouvement militance li, mais ça qui surtout retenu l'attention et que parce que tout ça m'a dit li, c'est parce que pas grand pile moun qui connaît tout parcours Rassoul, même si nous ouais à plusieurs occasions nous connaît monsieur il était exilé, le dictature a été exilé monsieur, même si nous connaît monsieur était pris en prison, mais Rassoul Labuche surtout connaît connu pour travail intellectuel. Comme ça dans domaine poésie créole, Rassoul Labuche publié plusieurs livres. Trois colliers Maldioc dans imprimerie des Antilles en 1962. Compère qui sortit dans l'imprimerie des Antilles en 64, et puis gagné compère suivi de Guy qui sortit en 1968. Dans l'autre bagaille que le publié, Et la fête sera belle, paru chez Deschamps en 1979, Mamona, fille de l'étang, le loup-garou blanc, le ficus et Grenadine, paru en 1967. C'est des contes que Rassoul a publié. Dans question affaires théâtre, Rassoul, c'est auteur et metteur en scène, comédien, une trentaine pièces que nous pas cap di ou toutes là. Parmi pièces ça yo gagnen La grève des ouvrières de café, Maître Sanson et Ali Boron et le roi Moko. Roi Moko de Rassoul Labuche que étudiant à l'école normale te joué dans année 72 yo. Nous dit nous pas capable de présenter Rassoul Labuche avec tout ça que le gagne dans Diakoutli, mais fok, puisque me commencé à signaler que c'est premier cinéaste haïtien, fok nous souligner le fait que Rassoul Labuche, c'est lui-même qui t'a fait premier film qui pral gon dimension nationale que t'a relé Anita, mais elle t'a fait tout gouverneur de la Rosée, adaptation au roman Jacques Roumer, il t'a travaillé sous lui. Descente aux enfers, adaptation du roman de David Goudis, et puis Anita, fille d'Haïti, scénario, réalisation, tout bagay, Rassoul Labuche. C'est avec plaisir, m'ap dit d'abord à Rassoul Labuche, bonsoir et bonjour, dépendant de côté moun yo ap koute nou, pour nous capables fonti échanger talent, mais Rassoul, d'abord, parler mounio de zafè théâtre et cinéma créole, oui. Haïtien. Bon, bien content que je participe là, un mouvement qui est très important pour nous, Festival théâtre créole. Mm-hmm. Mais il faut me souligner en parenthèse, Festival créole, c'est des bagages qui t'a mérité multiplié par N, par 2000. Tellement nous avons belle culture à créer nous. Et culture à créer nous, culture créole là. Et créole en prenant un sens très large. Mm-hmm. C'est ça qui fait me content que moi, ouais, que y a un petit bout de français, un petit bout de créole. Donc ça veut dire que pour moi-même, selon moi-même, on a discuté ça tout à l'heure, nous avons une culture haïtienne qui fait une culture créole et on a précisé que participation par moi, ce n'est pas seulement dans le cinéma, mais dans le théâtre. Parce que vous remarquez que, vous avez bien présenté là, dans l'affaire de créole là, c'est parmi les premiers mondes. Après, au monde qu'un coup, Maurice Auleroy. Et avant Maurice Auleroy, il y a un autre monde tout, qui est en créole. Depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire que depuis l'époque Saint-Domingoise, là, dans l'époque Saint-Domingoise, nous avons gagné des mouns tankou, bon, ça a été, parce que nous avons dit créole dans le sens large, ce n'est pas haïtien malheureux. Très souvent, nous tombons dans une sorte de populiste. Chaque malheureux, c'est lui qui moun, c'est lui-même qui cap comprendre. Ça, c'est une conception très populiste des choses. Mais avant ça, l'un t'accompagne la société à tout. C'est-à-dire que l'on dit langue créole, il faut que nous remontions encore plus avant. Parce que la société haïtienne, quand
côté mot ça a sorti mot créole là. Mot créole n'a pas commencé avec la révolution haïtienne, avec la révolution créole là. Révolution haïtienne non, mais son mot qui existait depuis l'époque espagnole. Et à l'époque ça, qui a choisi les créoles? Yo tire les créoles, tout citoyen qui était là dans Saint-Domingue et avant Saint-Domingue, c'est-à-dire depuis l'Hispaniola. Donc tout le monde qui était prend naissance dans la société, avant la société française là, qui était établie, et bien tire les gens des créoles. Donc moi, je suis criollo. Donc ça veut dire, mon sens, c'était des créoles qui étaient, mais des créoles qui pas bien pour langue, la langue créole. Ils étaient pour langue, la langue espagnole. OK? Après ça, le français est venu, on m'a parlé de flibustier français. Le flibustier français est rentré, il était déjà dans l'île qui est la tortue, et puis il est venu, sans bail, qui côté, à partie occidentale là, qui était relé, partie occidentale ça, qui était relé li, hein, qui était relé partie occidentale ça. Haïti, yeah. Ok, il vient relé, il vient relé. Haïti, qu'est-ce qu'il y a au bouillon? Bien avant. Donc ça veut dire que, c'est un petit mouvement de chocolat, hein? Mm-hmm. Et oui, donc ce qui signifie que le rivet, il a quitté une seule île et qui était là-dedans, indien, comme nous te connaissons, avec l'espagnol, il a vu occuper le pays. Il a vu prendre une partie qu'il y a, la partie occidentale là. Et la partie occidentale, ça, c'est là-dedans que le français était là. Partager l'île là en français et espagnol. Mais il arrive un moment où M. Flibustier, ça a été dans l'armée, il a vu la tortue, et de la tortue maintenant, vous voyez quoi dans la plus grande partie dans l'île. Et puis, à marcher petit petit, il a pris terrain, il a pris terrain, et vous êtes arrivé au moment, côté, il vient partager l'île en deux parties. Et dit, bon, on a pris partie S là, puisque c'est l'Espagne qui a décidé qui est sa telle partie ou telle partie. Et l'autre partie, a français a pris la donne. Et c'est là que vous commencez avec langue créole. C'est là qu'il va commencer avec, oui, langue créole. Mais ce n'est pas créole, ce n'est pas espagnol, c'est français. Très bien. Et les gens, une partie de la population, c'était hein, les Saint-Domingois, enfin les gens du Saint-Domingue, mot Saint-Domingue la vie, de espagnol, pas, excusez-moi, moi vini de propre flibustier qui vient tourner des boucaniers. Et de là maintenant, partir avec une fête comme ça. Mais Français ont tellement investi dans le domaine agriculture, dans le domaine mine et dans l'autre domaine toujours, que ce soit coton, que ce soit coton et pita ou pita café, ils ont commencé à développer la partie occidentale là, à tel point qu'à un certain moment, mais ils sont là quand nous, partie française est plus riche. Et puis contre les petits bouts de partie de l'île, le tiers de l'île que le il vignait plus une pièce que la partie orientale. Là. À tel point, petit petit, au moment même, que le français était occupé de tout ça. Mais, est-ce que ça veut dire que nous parlons de culture à travail sur l'île? Oui. Est-ce que pendant la période espagnole, nous parlons de culture? Mais oui. Théâtre, non pas le théâtre créole, Anacaona. Et tout ça qui est dans l'environnement à Nakaona, qui est théâtre régulièrement, et une grande figure, ce qui est cité, c'était à Nakaona, une femme indienne, etc. Donc, nous étions déjà en théâtre, depuis l'époque à Nakaona, depuis l'époque espagnole, mais après l'époque ça, ça vient de gagner. Après l'époque ça, vient de gagner qu'on y a français. Et pendant français là, à cause de en pile de mourir parmi les travailleurs indiens, ça passait, eh bien, c'est espagnol
avec Las Casas, qui te fait venir esclaves noirs. Et donc, esclaves noirs, ils vivent maintenant dans Saint-Domingue, et puis qui viennent une autre force qu'il faut souhaiter comme main-d'œuvre que tu exploites. Mais l'exploitation n'a pas commencé avec les Français. Il a commencé bien avant avec les Espagnols. Et peut-être, en parenthèse, qu'on y a maintenant, une culture qui a développé, mais surtout dans le premier temps, avec les Français, c'est-à-dire avec Santa Cabrera, qui ont écrit. Et on s'est écrit, et on s'est fait théâtre en langue que tu es les créoles. Et ainsi donc, le théâtre s'est développé, où il y a Lisette qui était la plaine. Ah, c'est ton théâtre en créole, dans l'époque française. Dans quelle langue, bien entendu, la langue, monde qui était là dans l'époque là, c'est-à-dire, ma parole de Saint-Domingue-Guayo. Et au fur et à mesure, l'ANSA a développé. Donc, nous, on peut avancer sur tout chemin. Il y a des parcours qui font évoluer selon la marge de l'histoire. Et théâtre, ça, c'était théâtre. Théâtre, là. Blanc français, oui. OK. Et c'est une. Qui a développé une langue à l'interne en d'un pays, d'après le créole haïtien. Qui va le créole haïtien. C'est très important. Et maintenant que nous avons une question sur ce sujet, ça, pour être capable de limiter, ça m'a dit. Ah, mais c'est ça, parce que faut nous faire une petite exposition picoute oui. Pour être capable d'ouvrir pour quelques questions. Okay. Oui. Nous faisons picoute, mais c'est pour nous être capable de déjà situer théâtre haïtien, théâtre créole. Là. Théâtre créole, tu as déjà commencé dans la partie française. Et de là, il y a un gros coquin de développement dans le théâtre, ça, depuis. Avant, Lisette quittait la plaine, quittait un créole. Mais créole, ça, normalement, il n'y a pas de même gens. À créole, je ne vous dis pas, il n'y a pas de même gens, c'est-à-dire que vous avez un apport. Apport langue française à tout, qui vient entrer dans la créole, la gente ici, à l'époque-là. Et là, pour l'écriture à tout, il vient avancer. Écriture créole franchétienne, pas même Jean a écrit sur créole la période, Lisette qui était la plaine. Et bagarre a évolué parce que l'histoire a évolué. Et c'est comme ça, nous capables de dire que pendant la période bataille pour l'indépendance, tu as gagné théâtre tout. Tu as gagné un peu l'apport africain. Parce que les Africains sont sortis dans plusieurs régions dans l'Afrique. Et c'est comme ça. La révolution va le faire, bon, petit parenthèse, on fait tout de suite, même qu'Aïtien, je ne vous dis, hein, nous toujours dit, ah oui, c'était esclavio qui était boumé contre blanc pour sortir l'esclavage. Mais c'était plus que ça. Notre question, nous sommes capables de répondre ça. C'est plus que ça. Capable, esclavio était enchaîné, esclavio pas de gros moyens pour être fait ça, en pile, nous ne pas qu'on est nous-mêmes qu'Aïtiens. C'est que tu es un marron. Yo. Et vous commandez pour nous film qui est les marrons de l'alphabet. Oui, mais pour ne pas oui. Rentrer là-dedans pour une petite confusion historique, débat comme ça, parce que en même temps, marron, yo, c'était des esclaves qui décidaient de quitter la plantation, à l'ammonio, côté yo pral font une espèce de guérilla, c'est pral. Premier travail de résistance qui prend le oui. Gagner contre blanc. Oui. Mais ça, c'est l'autre histoire. Oui. OK? Oui. Mais c'est pas vous-même qui t'es. C'est pas esclaves qui t'es commencé lutte là. C'est tout marron vous-même. Quand marron n'est pas d'esclave. Okay. Mais marron, lui, a quitté Baltoa. Vous échappe. Bien prendre l'exploitation. Vous êtes Irak. Vous êtes Irak. Donc, conscient capable de dire que marron, vous voyez qui. Important dans la bataille anti-esclavagiste là. Et comment? Est-ce que tu as un théâtre? Ah oui, déjà. Parce que chaque grande cérémonie voodoo que tu fais, eh bien, nous allons remarquer que Maron était là, Maron était là, et Maron n'est pas esclave. Et même la période espagnole, Maron, qui était déjà pris en bois,
grand pile là-dedans yo qui était comme esclave mais qui pas esclave pendant toute une période à tel point indien yo qui signé des contrats politiques avec blanc espagnol yo pour nous dire ah nous même maon pas descendre dans ville yo puis le maon descend yo libérer esclave yo yo fait ça de monter niveau yo ça c'est important. Et Mahon, ça y est, dans pile là-dedans, il n'y a pas de gens consacrés esclaves. Parce que tant que le temps passé, chaque esclave qui n'est pas devenu esclave encore, eh bien, il était arrivé eux-mêmes à faire un travail extraordinaire, c'est-à-dire à libérer esclaves pour augmenter la force de travail, la force évolutionnaire dans le bois. Et une femme son canadienne qui est un livre justement sous les affaires, ça, hein, et qui conclut avec dans le livre. Et il conclut que, ah, il y a des petits livres là, la révolution haïtienne saint-domingoise, vue d'en bas. Et ça dit d'en bas, c'est en haut, c'est en haut, qui commence. C'est pas, et ça, lui-même, il n'y a pas de gros moyens pour être. Il fait des batailles, mais pas de gros moyens pour faire gros batailles. Et marrant, il y a que les négligents, ils soient pays noirs, dans toute Saint-Ville et sous pression. Et puis, ils ont important la révolution qui parle révolution 2004 là, enfin 1804 là. Et Consan capable conclut que les activités de loisirs te continué dans la cérémonie vaudou, qui sont en forme de théâtre. Il n'y a pas de texte écrit pour faire acteur, non. Et activité ça, nous venons dans la cérémonie vaudou, à tel point qu'on peut considérer chaque cérémonie vaudou comme une forme de théâtre qui était loisir mon tout en même moment et loisir et en même temps tout c'est au niveau de ça c'était un lieu de rencontre et un lieu pour faire échange d'idées et ben la continue et jusqu'à présent nous avons toujours un vaudou nous et le regarder où elle vont côté loisir très bien très écoutez bien. Bon nous considérons ça un très bon moment. Voilà, nous prenons retourner sous question créole là, world cinéma et dimension que cinéma vient prendre. Nous prenons gagner pour nous parler tout deux questions théâtre là, d'après retourner sous lui. Mais là, c'est le moment pour nous présenter l'autre potorique là. Si grand d'être permettre, nous avons commencé avec Rasoul Labuchet, nous avons traversé sous. Mano Eugène, qui c'est un coquin chaîne poète engagé, lui remet ajouter ça tout dans le travail que l'a fait, puisque il pas seulement considéré tête li comme un intellectuel qui a réfléchi, qui a fait poésie, etc., mais qui a engagé tout dans différents types de batailles. Emmanuel Eugène, Mano Eugène, fait dans le pays Cuba en 1946. Mais c'est en Haïti le grandit. Il était commencé bien bonheur, écrit, il était fait partie de mouvement créole haïtien, et puis société Koukouï, que en pile monde connaît. Il était toujours, et moi je dis à ces mêmes réalités, à mettre langue créole là en dedans, non, tout travail que lui réalisait. Il refusait d'ailleurs, écrit en français, sous quelques fois forme que lui a, ou bien quelle que soit reconnaissance là, si li pas en lien avec affaires créoles. D'ailleurs, Mano Eugène toujours dit que pour lui-même, affaires créoles, c'est bagaille qui permettent au monde vivre identité avec plus force, plus dimension. Depuis 1973, Mano Eugène a vécu Montréal. Il considérait milieu intellectuel, poète, etc. Considérait Mano Eugène comme un poète langue créole, un nouveliste, un journaliste tout, parce qu'il faut que nous pas oublier que Mano Eugène est un journaliste. Il publiait plusieurs livres, plusieurs recueils parmi eux. Exil Tic, qui sortit en 1988 dans Société Koukouï, édition Koukouï. Une première tentative écriture sous exil en créole, livre li qui paraît Cahier mémoire d'un crié dans édition mémoire d'un crié qui est Voisin d'or en créole que éditeur Audney Saint-Éloi
t'es participé dans traduction ni qui est la voix des mystères, c'est un Jean côté Mano Eugène pral essayer refonder rejoindre ça ou les pays perdus pour célébrer langue mystère avec tout ça gain dans culture créole là. Mano Eugène, c'est un gros plaisir que nous gagnons pour nous recevoir dans la deuxième édition Festi Théâtre Créole. D'abord, première question m'a posé où, c'est comment ou est langue créole là a porté dans littérature. Bon, d'abord, moi je dis qu'ils sont honneur pour moi dans le deuxième festival là et m'apprécie le de ça vous faire un peu inviter de participer là-dedans. Comment moi je vois le créole là dans évolution de la culture créole là. L'un, c'est moyen pour moi-même, une culture baïté, son outil, une culture baïté qui peut exprimer. Moyo, il a embrassé culture, il traduit culture, valeur, il traduit valeur société, il traduit mépli, il traduit rêve, visionni sur l'avenir. Donc, évolution société est liée avec l'un. Parce que c'est façon société à exprimer. Et juste pour me calmer, là, il était quoi? Langue créole, là, tant que la Bichette a dit tout à l'heure, et les noirs, vous savez, vous montez, formé en contre avec Yovin Marron avec Indien yo dans mon yo noyau avec Indien yo yo partager culture yo partager valeur gien eux même marié entre eux même yo fait petit donc yo porter savoir par eux ba Indien yo Indien porter ba eux tout et puis c'est comme ça on capable dit même si gien partager participation français yo la dernière participation espagnol yo dans développement de la langue créole là mais noyau parce que moun sa te vivre ensemble yo partage un paquet de valeurs ensemble oui et non seulement partager vie sociale yo mais une vision de révolution qui vient mener dans 1804 et tout ça n'a dit ça ça langue n'a servi dans la société haïtienne. Donc, c'est tout développement ça, depuis nan, depuis toute l'Afrique jusqu'en Haïti, toute richesse ça, on rencontre ensemble. Richesse africaine, richesse indienne, richesse espagnole, richesse anglaise, tout, parce que l'anglais est occupé en partie dans l'île là, plus dans le sud, et nous avons partie espagnole, toute richesse ça, enrichi. Et c'est tout mythe ça, parce que moi, je prends couleur, je prends forme, je prends odeur tout. Je porte tout ça haïtien gagné dans lui-même. Donc si mon haïtien évolue, il ne va pas évoluer sans pas évoluer avec l'anglais. D'abord, l'anglais, il va dans sa mabelle tout. Donc, par contre, si je réponds à la question oui, là. Évolution l'anglais, c'est capacité pour charrier. Tout ça qui gagne dans coutume, dans mode de vie, dans religion, dans tout bagage qui gagne, c'est fondamental. Et Rasoul, dans dynamique évolutionniste que Mano Eugène abordé là, est-ce que à un moment donné, nous pas gain la peine que malgré tout ça que fait que ces Français a continué à gagner priorité sous langue créole. Ou bien est-ce que les deux doivent marcher ensemble? Ok. D'abord, je fais une parenthèse. Mm-hmm. Parenthèse là, mais ça vient. Bien longtemps, moi, nous souligner ça. Mm-hmm. Son paquet de culture entre eux, plus culture africaine ou culture africaine, yo. Mm-hmm. Plus, si nous cherchons plus loin, nous apprenons que la langue créole est une langue cosmopolite. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait richesse et tout.
Et quand bon, l'autre peuple qui entre tout, ce n'est pas la peine pour nous dire sous ça. Mm-hmm. Mais grand pile. Hollandais, etc. Et ainsi donc, le Napoléon. Hollandais, tout. Influencé langue créole là tout. Oh oui, tout. Okay. Hollandais, Danois. Par exemple, ça qui t'a passé dans la tête nous rapidement, hein? Si nous t'as gagné un mot qui t'a arrêté peut-être dans la culture haïtienne, ou bien une pratique qui t'a rappelé nous, Hollandais. Hollandais. Oui. Gagné un vieux proverbe haïtien qui dit que la reine peut rentrer. Et le la reine rentrer, tout le bagage pour le résoudre. Mais c'est vrai que depuis longtemps, longtemps, dans l'ancienne culture, peuple haïtien. Ensuite, c'est la Hollande qui finance Anita. Parce que ça fait tout partie de moi qui est important. Tout moi, ça, si nous avons tout appareil là, quand nous, nous pouvons tout technicien hollandais ou parler. Et la reine journée aujourd'hui à tout, décide de ta financer n'importe quelle autre œuvre littéraire, théâtrale ou cinématographique. Donc ça a eu un intérêt à faire à question de langue créole là, culture créole là, c'est une. Et une autre qui a financé encore, monsieur, c'est un Uruguayen qui est connu qui d'une extrême importance pour culture nous et qui est là. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Sur Eduardo Galeano. Absolument. Or, il a financé l'ensemble avec moi. Parce que j'ai pensé œuvre monsieur et œuvre Anita, la reine pour le financer. Ça a une concurrence entre groupes et eux, ça sont d'autres questions. Mais en attendant, je t'ai fait nous rencontrer en Hollande pendant une dizaine de jours pour te féliciter nous parce que il y a moins de une semaine à deux semaines, le film Anita est vu à travers le monde entier avec presque ou plus que 2 millions de téléspectateurs. Mm-hmm. On a parlé de créole, toujours faire présenter là tout de suite. On a parlé de créole, il faut ne pas oublier que c'est seule activité, en tant que l'oiseau, cinématographique ou théâtrale, qui rassemble autant de monde comme nous qui ouais finalement et on l'entend encore que nous l'avons cité qui était l'opéra haïtien. Or, là nous prenons tout le bagage ça, nous n'avons ni Anita jusqu'à présent, ni l'autre activité qui fait sur l'affaire de langue créole là, nous fait partie tout de culture haïtienne. Mais là nous parlons maintenant de culture haïtienne, vous soulignez le tout, culture haïtienne là, c'est pas seulement créole. Puis ça, c'est en français tout. Même qu'on ait toujours une discussion, on a toujours une discussion ça avec moi tout. Donc, il n'est pas seulement, créole, car les gouverneurs de la OSI, c'est pas créole, ni Jacques Alexis. Et là, nous prenons tout le plus gros écrivain haïtien, et Kassar, que nous parlait tout à l'heure tout. J'ai écrit et en créole et en français, même tout. J'ai écrit et en créole et en français. Si vous décidez, c'est que seulement, c'est votre droit. Et dit bon, la fête culture haïtienne aller de l'avant. Mais il faut que nous pas exclu apport l'autre langue et l'autre culture. Mano Eugène et Rasoul abordé un bagaille intéressant sous créole lac français qui t'a dominé dans la même cabane. Selba qui gagne, quand on me dit tout à l'heure, c'est sensation que créole là qui gagne, qui pote nan majorité, parce que ou kap parle français tout, mais en général tout haïtien parle créole, vous comprenez? Et ou gagne l'impression, malgré tout, jusqu'à présent, c'est français a yo bay priorité, même l'État pas prend responsabilité par rapport à la langue créole là. Puisqu'on a une majorité de textes qui existent, loi qui existent, ils existent dans cette langue en français. Bon, pour nous comprendre, pour nous faire un parallèle avant de rentrer dans la réponse à la question, nous vivons au Québec, par exemple. Dans le Québec, il y a une société, il y a une communauté anglaise, une communauté francophone. Tous les bâtisseurs, nations,
québécois. Et même tout le monde est anglais dans le Canada, il est français dans le Canada. Mais la communauté existait. En Haïti, c'est différent. Pas une communauté francophone en Haïti. Il y a un apprenant francophone. Les gens qui ont l'école, qui ont le privilège de l'école, et le privilège de l'école, ça a sorti depuis la période coloniale, là, après l'indépendance, et tout le monde qui a été parti à la France à l'apprendre. Puis ça a été différencié avec masse, là, parce que vous parlez l'autre langue qui semble avec pas blanc. Et préjugé s'est arrêté. Mais ce n'est pas fort gentil en vent. Mais là, toujours, son façon pour nous distinguer avec la majorité. Mon Irlandais, mon Andéroyo, mon paysan, etc. Majorité, langue ou nation, c'est langue tout le monde parle. D'abord, la Constitution dit dans l'article 5, langue qui cimente tout le monde ensemble. On ne pas négliger faire français ou parler espagnol, parce que si on parle même. Si je prends toute frontière Haïti avec la République dominicaine, depuis le nord jusqu'au sud, je suppose qu'il y a plus de monde qui parle espagnol. Absolument. Il y a plus de monde qui parle espagnol parce que français. Mais même non monde, la connotation. Donc, ça veut dire que si on parle de richesse et l'autre langue, il faut entrer espagnol là-dedans. Parce que frontière, monde, il voyage, entrer, il fait manger, il fait jardin, il tout le bagage, il vivre. D'autant qu'il ne faut pas oublier que. Premier parti occupation, c'était l'Espagne. Absolument. Ça te gagne simplement. L'État haïtien choisit par concordat de signer avec Rome, avec Rome, fait les langues officielles, la langue française. Non, c'est après, il veut faire l'autre. Donc, à quoi ça, le demande de force, c'est vous-même qui menez un petit jovin. Concordat. Pour nous faire l'éducation, mener l'école ici en Haïti. Donc, automatiquement, langue française a une langue de privilège. Langue, monde qui est à l'école. Et monde qui est à l'école, c'est à donner à apprendre écrit tout. C'est langue bluff tout. Oui. C'est la dernière à apprendre. Parler français dit l'esprit. Oui. Donc, c'est la dernière à apprendre écrit. C'est normal pour une écriture en français. Évolution et langue dans l'écriture, il est récent. Évolution, même s'il monte depuis la période coloniale, mais c'est des gens qui ont fait des expériences d'écriture. Mais évolution, il est récent. C'est des gens qui militaient, qui viennent mener, et principalement, nous sommes capables de dire gros évolution prendre à partir des années 60, avec le mouvement créole qui est en. Même si dans toute l'histoire d'Haïti, il y a plus de monde qui militait, nous connaissons plus le texte qui marque l'histoire. Je suis connu. Haïti chéri, tout texte a remarqué, mais vraiment un effort masse pour mettre créole là sous papier, il commence à partir des années occupation américaine, non, américains vini, 1915, ils commencé avec l'écriture américaine, occupation, il y a influence et tout, occupation anglais tout. Il y a anglais à toi en dedans. Absolument. Donc, blackout. L'anglais, là, c'est une langue qui mélangeait plusieurs savoirs, plusieurs valeurs, qui ont une vision large, d'englober toutes valeurs européennes, indiennes, haïtiennes. C'est tout un mélange. L'écriture, même si c'est français qui a dominé, automatiquement, parce que c'est l'État, c'est ça, comme ça dit là, l'État n'a pas assumé. Il n'a pas baillé valeur. Il n'a pas fait ça, tu as encore relayé ça encore. Et évolution partagée et rôle langue en d'un pays. Très bien, très bien. Langue nationale là, c'est l'État doit prioriser. Mais pas fait. L'État pas fait. C'est militant qui fait. Mais malgré tout, il n'y a pas de pas qui franchit jusqu'à ce que nous vivions dans l'existence dans l'État ou académie créole. Donc si on a une académie qui est créole, ça veut dire qu'on fonctionne dans l'État qui doit travailler pour mener l'anglais sous papier. Bralement tout à l'heure, justement, qui, pas en dehors de ça qui est évident, non, comme pas qui franchit avec existence académique créole là, mais en termes de facilitation langue, ça représente, ça permet par exemple. Oui, Vassou. Oui. Fondu Mano avec moi, nous sommes bons amis depuis longtemps, on va écrire. Oui. Mais
comme Haïti, son pays traditionnellement dictatorial, ils n'ont pas qu'à échanger entre eux, le yon pas d'accord avec l'autre. Mm-hmm. Ok. Rapidement en bas, non? Oui, vas-y. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça m'entendait là, yo, dans le pays que je ne suis pas d'accord avec eux, mm-hmm. parce que la langue de Jacques Roumain, pour l'écrivain de la Rosée, c'est la langue française. La langue de Jacques Alexis, la langue de la littérature haïtienne, et très peu de monde lit, donc je ne suis pas capable de lire, ni mon origine en créole, ni la soulabiche en créole, peut-être en cinéma ou dans le théâtre, oui. Donc ça, c'est très important, parce que même si toute majorité mounio, ou totalité mounio, parle créole, mais sont très peu de monde, même dans la langue créole, qui lit ça qui écrit en créole. La révolution de 1804. Et qui sont problèmes graves, parce que vous gagnez toujours un problème qui posait, malgré plusieurs tentatives de campagne alphabétisation, vous gagnez une problématique post-alpha qui est toujours posée. C'est pour ça que je vais demander à mon origine qui travaille à l'Académie créole, en fait, en termes d'existence de texte pour ça. Puis, petit frère, ça seulement. Allez. Acte de l'indépendance, là, en quelle langue que elle a été publiée? Ça fait une. Poser des questions, même pas répondre. Et nous ne sommes pas fâchés, nous avons une discussion après l'an. Ouais, bon, nous ne sommes pas fâchés. Parce que nous aimons la poésie créole, monsieur, etc. Mais ça qui passe, l'homme prend jeunesse en province haïtienne d'aujourd'hui, nous n'avons pas pensé. On s'est rentré dans les dernières. L'homme considérait l'école haïtienne, il m'a parlé la langue française maintenant. L'homme considéré l'école française et qu'a fait en France, en haïtien, ils ont mal enseigné le français à tout, mais en attendant, c'est eux capables de lire. Donc, si vous avez fait passer une connaissance, Jacques Roumain, il fait gourer de la rosée, bien, en pile pays, pour le baccalauréat, il faut qu'on ait gourer de la rosée, en même pays, en toute l'Afrique. Là. Hein? Mais si c'était créole seulement, que M. Tekon écrit et Gouin Larosier en créole, il n'a pas une chance ça. Parce que la langue française a une plus audience pour capable d'une langue internationale dans ce sens ça. Mais l'acte de naissance de l'indépendance, ok, qui l'a fait, un, qui m'a signé, c'est un blanc français, tout qui signe acte de l'indépendance. Parce que la situation va poser les mêmes gens. Français étaient signés, c'était des républicains, des gens qui étaient pour la révolution haïtienne. Et ils ont porté des armes pour les gens contre le système esclavagissant. Donc, sans aucun chaîne de problème, eux-mêmes, non seulement ils étaient mis à armes, ils étaient venus à Kobe, qui appuyaient un secteur qui a boumé pour l'indépendance, et ils ont été signés. L'acte de l'indépendance. Ça t'a pris nous trop de temps par rapport à, par exemple, priorité d'Exalo. Deux exemples pour Bayo, qui sont deux figures majeures dans la littérature haïtienne. Oui. On a parlé de Jacques Roumain avec Jacques Soleil, comme et on l'appelait, compère général Soleil, Jacques-Séphane Alexis. Deux figures majeures, il faut pas oublier que priorité est placée de l'autre côté que par rapport à l'homme. Donc, je ne crois pas que dans un débat sur l'angle, nous prenons négliger le travail qui est plus politique et littéraire versus un combat sur la question de langue créole. Ça n'a pas retiré rien dans ce travail que vous faites et dans la bataille pour masse populaire et pour culture haïtienne. Alors, Mano Eugène, même ça qui attire l'attention, par exemple, nous parlons tout à l'heure de travail, il y a un problème qui gagne, qui fait échec, souvelé plusieurs tentatives campagne alphabétisation, nous songeons Mission Alpha par exemple, oui. Entre autres choses. C'est outils qui manquaient pour le monde qui fin apprendre, fin gagne minimum lecture langue, pour capable continuer travail là. Au lieu de nous faire avancer, moi c'est perdu, une perdu. Par exemple, t'as un journal Bon Nouvelle, moi-même, moi songeais, qui pas là encore. T'as un journal Liberté, côté la donne, qui pas là encore. Ou bien qui pas souterrain à faire travail, non, qui pas là encore.
est-ce que pas un recul qui ça académie créole ça vin poté comme on dit plus bon académie son centre de recherche scientifique lié pour garder étudier langue là pour garder évolution langue là li pon travailler dans la rive depuis de vulgarisation. Vulgarisation. Très bien, très bien. Son travail, c'est des spécialistes dans plusieurs domaines. C'est entendre nous, par exemple, sur orthographe langue. Orthographe sur langue, orientation langue, évolution langue, garder-li, examiner-li, étudier-li, et puis bailler des hypothèses, proposer même des choses pour permettre l'évolution. C'est bien. Ça, le rôle de ça, académien. C'est pas un bagage de terrain que pour dans la rive. Bon. Simplement, on ne va pas le faire. Bataille là, juste un petit précis. Mais c'est on, nous capables, bon nous capables croiser le fer. Ça a été en faute. Simplement, gain quitte ces constitutions, quitte ces grandes œuvres majeures qui frappaient, qui marquaient l'histoire et littérature haïtienne. Non? Et jusqu'à avant hier là, Youssef Baye, Yannick. Yannick Lyons et yo connaît li nan au prix bon ce bon gros prix là et nous gain ancien compatriote nous qui dans l'Académie française etc. cetera pas de problème avec tout ça mais nous rete toujours son élite son élite et la langue française joue un rôle politique parce que c'est la politique qui mène ni d'ailleurs changer les pendant dans comité et pour table académique créole là et Sainte Lucie mandé pour Haïti reconnaître CARICOM présenté créole comme langue officielle et puis gouvernement Martelly fait compte lui présenter français pour entrer créole ça pas créole un aspect international ça pas rentrer dans CARICOM l'autre dimension mais gouvernement fait compte donc ce n'est pas un gouvernement qui nationaliste, qui prend à cœur, parce que écriture, c'est pas seulement écrit pour faire belle œuvre, pour parler à l'étranger, parce que littérature française, c'est pour parler à l'étranger, pas parler à la nation. Littérature, pas parler à la nation. Parce que, on miroir lié, pour les gens garder tête, il a donné, et puis, il y a l'avenir. Et puis, il a changé de vie. Tout le monde a dit, ah, Haïti n'a pas évolué, mais Haïti n'a pas évolué, parce que l'intellectuel n'a pas écrit pour lui. Intellectuel écrit pour l'étranger, pour faire qu'on nous connaît pas les français tout. Nous avons fait de belles textes. Ok. Oh, ouais. Nous avons une petite difficulté là, qui va obliger que nous dit le mot de la fin. Ok. Un débat extrêmement intéressant et certainement, nous avons pile plaisir. Dommage qu'à cause de petites difficultés techniques, nous pas capables de prendre question, etc. Pour essayer avancer. Maintenant, donc, le mot de la fin, Rassoul Labuchan. Le mot de la fin. Oui. Un grand poète, un grand coquin chien poète, le Pablo Neruda. Oui. Qui toujours écrit dans la langue espagnole, là, la langue du colon. Je reconnais monsieur comme une plus gros coquin chien écrivain latino-américain. Le m'a parlé, m'a écrit dans la langue française. Je ne suis pas d'accord que c'est langue blanc lié, c'est langue. Il y avait Jacques Roumain, fondateur du Parti communiste haïtien, avec Jacques Alexis, qui a assassiné, non, et des grands combattants. Si nous avons seulement 2000 cancouillots, Haïti a sorti dans l'enfer de l'Irlande. Dernier mot, Benoît Eugène. Je me fais suite à. Intervention Rassoul. Rassoul, nous sommes dans le Festival international poésie. Dans Jérémy. Et puis, il y a un débat, et puis il y a un monde qui lui dit presque même pensée avec Rassoul que langue française a son butin de guerre. Il dit ça fait nous pas dire plutôt nous sommes butin de guerre. Parce que un butin, c'est pour humilier le vaincu. Nous nous battons là, nous pour humilier, nous prenons le drapeau, nous faisons tout ce que là avec, nous prenons madame, nous prenons humilier. Alors là, quand nous, comme butin, c'est honorer, nous honorer. Changer le B par le P. Donc. Butin de guerre en putain de guerre. C'est une note ça, mesdames et messieurs. N'a pas mis fin à Ti Paoli que nous avons gagné avec Rassoul Labuchan, Yves Médard et Emmanuel Eugène, Mano Eugène.
nèg théâtre, poésie, nèg potorique dans littérature. M'a rappelé nous que deuxième édition pour la poursuivre juste 1er novembre avec un pile événement, prestations théâtrales, etc. Restez toujours branché sous Festi Théâtre Créole. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci. 8 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2021, deuxième édition Festi Théâtre Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre créole là dans Montréal. Équipe la contre blocus COVID, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sous page Festi Théâtre Créole là. Invité donner nous à Nessa, c'est Yadley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13.
Sorti 28 octobre pour arriver 1er novembre 2020, deuxième édition festivité à Créole là a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre Créole là dans Montréal. Équipe là qu'on bloque ce Covid, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sur page festivité à Créole là. Invité donner nous année ça, c'est Yardley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre Créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13. Sorti 28 octobre pour arriver 1er novembre 2020, deuxième édition festivité à Créole là a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre Créole là dans Montréal. Équipe là qu'on bloque ce Covid, mais n'a privé en ligne. Suivez-nous sur page festivité à Créole là. Invité donner nous année ça, c'est Yardley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre Créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13.
Sorti 28 octobre pour arriver, 1er novembre 2020, deuxième édition festivité à Créole là, a terminé web à web. Compte théâtre, lexi, montage texte avec exposition, tout ça pour un lot sous coup théâtre Créole là dans Montréal. Équipe là qui bloque ce Covid, mais n'a pris 20 ans. Suivez-nous sur page festivité à Créole là. Invité à donner nous à Anissa, c'est Yardley Cavana. Pour toute information, compagnie théâtre Créole à commercial gmail.com. Téléphone 514 962 15 13.